je pense qu'il faut vivre avec son temps. L'homme a beaucoup évolué, continuera d'évoluer. On a besoin de continuer à innover, de continuer à avancer. C'est juste que de temps en temps, il faut respecter quelques principes. Et les grands principes pour moi, c'est les saisons, respecter la nature qui nous entoure. S'il y a un homme qui a bien cessé d'évoluer depuis un moment, c'est Néandertal. Et pour cause, son extinction date d'environ 28 000 ans avant notre ère. Ce premier homme tient justement son nom de la vallée de Néander, où l'on a découvert ses effets personnels, des ossements et une calotte crânienne. Très éloigné des canons olympiques, Néandertal a dû développer de véritables aptitudes pour survivre, sous peine d'abréger encore un peu plus sa courte espérance de vie. Une deuxième nature, dont les actuels hôtes de la vallée ont également dû se doter, comme le cincle plongeur, ce drôle d'oiseau, expert en plongée et chasse sous-marine. Et je crois que c'est maintenant qu'il faut vraiment changer nos modes de consommation, nos modes de vie. On ne peut pas continuer à se développer sans avoir aucun souci de l'après. Et je pense que notre responsabilité, c'est de penser justement à la nouvelle génération.